Bonsoir, non pas monsieur Jean-Gilles Joseph, écrivain, historien, égyptologue, professeur. Je dis égyptologue ou bien kamitologue parce que monsieur étudiant en master 1 en kamitologie ou bien égyptologie. Donc, et puisque m'a vivant en Haïti, me cherche connaît qui chercheur, qui savant en Haïti. Moi contrôler moi ouais docteur Daniel Mathurin, c'est un grand savant qui passe en Haïti. Même si certaines fois position eurocentrique, mais nous-mêmes, nous voulons continuer avec le même travail qu'il a fait sur le plan afrocentrique. Donc, pour nous concentrer, pour nous ramener bagaille là, dans un paradigme africain. Et moi, saisi, ouais, selon l'évaluation, selon les données, dans le documentaire qui était réalisé avec docteur Daniel Mathurin, moi, saisi, ouais, connaissance, moi, saisi, ouais, richesse archéologique, scientifique, bagaille qui gagne en Haïti, bagaille tête chargée. Et m'te décide de partager vidéo ça avec nous pour nous comprendre, pour nous contrôler qui ça gagne en Haïti et qui raison qui fait communauté internationale là intéressée avec Haïti comme ça. M'pense ou même qui intéressé, rete là, gade toute vidéo là pour nous qui ça Haïti gagne avec docteur Daniel Mathurin. Que moi-même à madame moi qui moi c'est docteur chercheur madame moi c'est ingénieur nous travaillons dans le domaine cancer sida et fusion nucléaire que n'arrive à domaine ça c'est parce que depuis une petite nous toujours tendez haïtiens chaud notre tradition de monde descend en bas de l'eau avec plus technologie alors nous même nous dit que si on tradition remplit le témoignage là dedans faut chercher qui réalité guerre ça guerre en bas de l'eau en Haïti et deuxièmement il y a un institut qui est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est particulièrement deux chercheurs que nous apprécions en pile, deux éminents chercheurs. Il y a un ingénieur qui est Patrick Delatour, l'autre là son archéologue qui est Gilbert Valmé. Depuis les années 75-77, il a fait fouille archéologique sous l'autorité de l'ISPAN de M. Albert Mangonès au Cap-Haïtien. C'est eux-mêmes qui étaient toujours à intéresser nous, dis-nous que Haïti son paquet d'affaires, population haïtienne dans son paquet de peuple et que pays a son paquet de pays. Nous t'ai toujours pensé, Jean-Monsieur Abaventure Roy, peut-être c'est ton bail farfelu que Blanc t'est joué dans tête yo. Mais il est arrivé qu'en 1989, si je peux permettre de montrer le document ça, en 1989, nous avons un document officiel de l'ISPAN devant nous, avec non, tout le monde là, qui t'a demandé moi-même pour me participer dans une enquête pour te mettre en valeur tout patrimoine mondial là. C'est dans la conclusion enquête ça que tout puisse l'envie tomber dans nos oreilles nous. À savoir, dans la conclusion enquête ça, nous constatons que dans page dans le rapport de conclusion que nous avons devant nous là, les nous arrivons dans quatrièmement, nous avons là que tout chercheur Boutros ou Assif Boutros Ghali qui était participé dans le document, demandé que pour tout patrimoine d'Haïti, site des Ramiers, citadel et palais sans souci, tu as venu un patrimoine mondial. Mais au cours de conférence là et de mission d'évaluation, ils ont tous insisté que ce n'est pas zone ça seulement. Ils ont choisi l'île de la Tortue, ils ont choisi la Gonâve, ils ont choisi la Grandance. Dans la Grandance, ils ont pris Mont Sinaï, ils ont pris Makaya, ils ont pris tout document ça et ils ont décidé que bah, ça a vu un patrimoine mondial, ils ne peuvent pas dépendre de la République d'Haïti. De là, ça vient mettre la puce à l'oreille de moi et madame moi qui fait nous dire qu'il faut nous accumuler tout document sur Haïti. Et deuxièmement, au point de vue historique aussi, nous, à chaque fois que nous avons une grande calamité à travers la planète là, telle que les Christophe Colomb vini en 1492, au 15e siècle, tu as un syphilis, Philippe II d'Espagne, tu as Francisco Hernandez, vine dans la zone Caraïbe là et Amérique latine pour chercher les plantes médicinales pour aller au secours des peuples du Moyen-Âge. Et qui épidémique tu as ça, c'était syphilis et tuberculose qui t'a tué. Et qu'on y a encore, en 94, depuis 92, nous avons l'autre épidémie, sida et cancer, nous avons encore, même autorité pharmacologique, ces zones ça a eu intéressé en pile à lui-même, Caraïbes, Amérique latine, Amérique centrale, pour rejoindre des plantes médicinales. Et même Francisco Hernandez font un grand document qui aurait la taxonomie. C'est ça qui permet de nous faire toute classification, toute plante qui est sur la terre, c'est bon la caille, nous devine plante. Donc nous nous sommes dit, nous pas qu'à briter les bras croisés, moi madame non, pour nous quitter au film prendre tout bagaille sans nous pas fouiller et faire investigation en notre patrimoine non, pour nous connaître qui ça peuple haïtien y est, qui ça pays y est et pourquoi autant de monde intéressé à lui-même. Que c'est pour nous-mêmes haïtiens, c'est encore osé.
dire que ce pour planète là, c'est encore osé. Nous préférons venir avec des documents. Premier document à bralé, son document qui sorti dans American Scientific American, qui publié par Evin Woos et Evin Woos là, qui ça monsieur est son grand archéologue de Yale University. Monsieur ça est venu en Haïti en 1969. Là il est venu en Haïti en 1969, il a fait des fouilles archéologiques et mes sites exactement côté de fait fouilles archéologiques. Nous capable sous caméra ouais site yo, il fait fouilles archéologiques Ilavache, il fait fouilles archéologiques Cabaret, il fait fouilles archéologiques Port-au-Prince, il fait fouilles archéologiques Fort Liberté, il fait fouilles archéologiques Koury, il fait fouilles archéologiques Mardon, il fait fouilles archéologiques Casimira, il fait fouilles archéologiques Santo Domingo. Mais population a manqué, c'est un tracé bien spécial que déterminé en forme de triangle pour faire fouilles archéologiques. À la suite de fouilles Sayo, monsieur Sayo de Yale University publié depuis 69 que population Taino que nous devons en Haïti, ya, parce qu'il y a plusieurs ans à Wakio, il date de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, il fait un graphe, et dans le graphe là, il montre que, sous le graphe ça, que Haïti appartenu, particulièrement les recherches qui ont été faites du côté de Cabaret, vous verrez ici, Hispaniola ici, ou après l'appartenu au Lep Paléo-Indien. Et Lep Paléo-Indien, c'est une période qui remontait à 12 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui semble correspondre à une période de catastrophe. De là encore, monsieur dit que Haïti, c'est nous-mêmes qui t'es, qui plus ancien dans le monde, non? Et si il y a un point de développement culturel, c'est de Haïti, il paraît. Et argument que porté dans la publication, hein, c'est que il montré que Haïti sous globe là, dans le schéma, il est situé de façon équidistante avec trois autres îles des Caraïbes, à savoir Cuba, Jamaïque et Porto Rico. Il est équidistant au sud avec Colombie et Venezuela. Li équidistant à l'est avec Yucatan, Mexique et Amérique latine, et l'équidistant au nord avec Floride. Donc, yo dit que ces points centre culturel là, et c'est dans point ça à tout, tout développement culturel là t'est fait. Et pour qui ça, qu'on civilisation qui était très ancien que nous pas connaît, vine située en Haïti, et tout le monde y est à l'université, avant de plus body intéressé à lui-même. De là, moi et ma madame, nous continuons à chercher toujours pour nous connaître qui document ça. Et c'est là, nous tombons sous le pot rose que mes documents ça qui publié par Charles Berditz dans même 1969 là et que n'a pas ouvri document nous pour aller dans la page 25 loi de la page 25 et au haut de la page 25 mais monsieur dit là il y a une ville tout entière engloutie au large de Haïti et une autre au fond de lac là n'a posé une question qui ville ça qui engloutie au large d'Haïti et qui l'autre au fond de lac ça si il y a une ville qui est engloutie au large de Haïti, qui est en du lit, qui civilisation te la donne, qui monde qui te la donne, qui langue te parle. Donc, toute recherche, nous pourrons l'expliquer, peuple haïtien là, pour le baser, dans l'investigation que nous avons fait, pour qu'on, est-ce que ville ça, c'est vrai? Est-ce que ville ça, au fond de la classe, c'est vrai? Et peuple haïtien, ça pour l'attendre. Et comme son bagage est très difficile, nous avons annoncé, non seulement à peuple haïtien, mais à autorité haïtienne, nous pouvons venir à des documents de référence. Ainsi, nous prenons l'autre publication, qui est toujours publié par Berlitz, l'Atlantide retrouvée, nous avons entré dans le document ça, et en dans le document ça, même monsieur a montré dans toute page, yo, côté villa, tu es englouti, je ne pas que pierre levée en bas de l'eau. Là, nous virons l'autre page yo, là encore, monsieur toujours a montré depuis Bahamas, il y a une ville qui est en bas de l'eau, qui est étendue depuis Bahamas, qui vivait jusqu'au large de Haïti. Nous avons viré encore, même monsieur montre au Kounia sous schéma, côté gonfi qui a plongé, fait plonger sous-marine, il montre toute muraille en bas, côté muraille sorti depuis Bahamas, depuis Amérique latine et depuis l'Afrique, il vient atterrir à Haïti. Donc son ville qui était très large, il a porté un paquet d'arguments dans pile d'autres photos que au fur et à mesure, on a fait documentaire, on a déroulé li, que pour montrer le peuple haïtien. Et ville ça, il prétend, nous-mêmes à madame, non, nous dit bon, si une ville capable de subir autant de colonnes d'eau, parce que nous connaissons l'océan Atlantique là, il y a à peu près 10 km d'altitude. Et on dit, l'aide de l'Ujla de Rivera, l'eau a été montrée en hauteur de 4 à 6 km. Donc, on dit, ce n'est pas capable, parce que l'archéologie classique, là, dit comme ça, que c'est fond des glaciers. C'est glace qui n'a pas le nord et n'a pas le sud, qui fond, qui fait que l'eau a été montée, que Haïti est englouti. Mais si glace fond, pas qu'il y a suffisamment de glace qui pouvait fondre, qui pouvait l'eau monter tout hauteur ça. Faut que son autre cause. C'est dans ça, dans le même document Berlitio encore, nous avons trouvé une trace de un document
qui te frappé nous en pile, c'est schéma ça en haut, qui montrait au large de Bahamas, un gros trou circulaire, et ça nous est là dedans, petit point là, c'est un petit bateau qui mesurait 16,50 m seulement, donc à imaginer qui diamètre trou. Yo descend, savant, yo descend dans trou, sur une profondeur de 1 km, yo pas qu'à une profondeur. Li. Et nous remarquons que trou a une forme circulaire. De là, madame, nous dit comme ça, si il y a un glo qui a monté jusqu'à 10 km pour faire que l'anal fouillé, par exemple, Montana, nous joigne une série de coquilles, de lambis, et coquilles ça yo, yo très spécifique, yo relé ammonite. Moi tiens à ce que monte population, hein, une photo de qui ça qui ont ammonite. Mais photo ammonite là, font zoom pour moi pour montrer au lit. Li porte un coquille lambis fossilisé. Depuis joindre ammonite là, son bagaille qui datait de l'époque des dinosaures. Gros bête, coulon yo, te kon manje moun yo. Yo joigne ni en Haïti, nous joigne ni Montana, nous joigne ni Boutilier, nous joigne ni en Piémont la selle. Ça veut dire probablement coquille lambé yo et lambé a te monté niveau ça. Donc c'est pas capable radmarer seulement. Et c'est là nous prend grand étonnement. Et que en juin 94, la revue la plus hautement scientifique qui publiée par le Centre national de la recherche scientifique dit sous Haïti, non pas ça, que many, mais vous montrez nous roche là, mais roche là là, vous montrez nous que, et titre là là, ma ban nous temps pour nous lire titre là ici, que gon roche qui te frappé Haïti, au niveau de Belloc, l'écran cadré ici, et que roche ça a daté de 65 millions d'années, et c'est lui-même qui cause disparition toute civilisation. Mais, c'est pas un patrimoine culturel seulement d'ab chercher. Il y a l'autre bail nous d'ab chercher, parce que les roches ça a frappé où, gon série de métal nouveau qui paraît, que les iridium. Mais iridium ça, il a été publié en mai, si nous allons zoom dans là, en mai 94, dans cette revue de Science et Vie, et là, côté ammonite là, et dans encadré nous bralouer, il a cité dans tout pays qui est riche en iridium. Là. Et c'est là que nous venons comprendre, c'est un accident cosmique qui était fait il y a 65 millions d'années, ça qui contredit en pile théorie officielle là, pour dire qu'il y a 12 000 ans, il y a l'homme sous la terre. Mais il y a 65 millions d'années, Taino, Indien en Haïti, yo, yo te là déjà, et yo t'appartenu à une civilisation qui est plus avancée que nous, et que gon astéroïde qui sont dans ce ciel-là, qui frappait Haïti, que de l'eau a été coulée, et gon première partie de Haïti qui montait d'abord, c'était la Grande Anse. T'as le m'a montré nous dit. Gon deuxième partie, c'est zone Natibonite, troisième partie, c'est nous a été monté. Donc c'est le ça, que nous comprenons en pile bail sur Haïti, et nous comprenons pour qui ça va. Proche qui est très complexe, il m'a demandé en pile question. À partir du moment où monsieur t'a parlé de cristaux ou pierre de feu, il parlait de la même découverte que, qu'avait fait le mari de Marie Curie, Pierre Curie, à savoir que tous les cristaux sont doués de pouvoir, quand on leur donne de la pression, ils émettent du courant électrique. Mais nous savons aussi que la structure des cristaux leur permet de capter les ondes gravitationnelles. Les zones gravitationnelles, ce sont les zones qui permettent aux planètes de tourner, qui permettent au Soleil de tourner. À partir du moment qu'au sein d'un métal ou d'un alliage, vous arrivez à fusionner les zones gravitationnelles et les zones électriques, quand on fait maintenant des manipulations, il se peut bien que ce ne soit pas comme du nucléaire, sous fond explosion et où est passé là, parce que l'onde gravitationnelle là propage l'information hein, sans délai, quelle que soit la distance. Donc, les que tu maîtrises de l'énergie, ça, tout est été fait dans l'administration énergie a une capacité à attirer tout roche dans l'espace là à venir frapper yo. Donc nous pas connaît si roche ça yo dit qu'il fait collision avec nous il y a 65 millions d'années t'es dû à un simple accident dans mécanique céleste là ou bien s'il t'es dû à une mauvaise manipulation de énergie nouvelle que n'a cherché actuellement par la civilisation de pointe et que yo même dans Atlantide là été maîtrisé. Donc, l'un n'a pas avancé dans le documentaire là, nous sommes capables de faire plus de lumière sur ça. Donc, nous avons d'ailleurs un ingénieur pour qu'on pour l'expliquer nous, côte galette est sorti. Mais manipulation des cristaux, c'est vrai, tout est arrivé là, n'a pas que tout le monde avant le religieux, c'était l'énergie des cristaux qu'il connaissait, en d'autres termes, l'énergie de l'hyperespace, le rêve d'Albert Einstein, la supersymétrie. Mécanique céleste là, c'est un bagage qui est complexe. Et dans mécanique céleste en tout, le temps est quelque chose d'important. Parce que tout bagaille cyclique dans la mécanique céleste là. Donc, ça qui t'est passé il y a 65 millions d'années, capable de repasser après 65 millions d'années, hein, parce que nous avons une condition, comme tu as dit, une condition géographique
céleste pour que ça vienne arriver encore. Donc, je pense que, effectivement, si tu as une catastrophe qui t'est passée sous la terre et que c'est une roche qui est un astéroïde qui t'est frappé nous, il y a 65 millions d'années, et que Kounia, nous vivons dans la même position pour sa fête encore, et que si nous ne prenons pas bien, ça ne va pas être fait. Donc, oui, Haïti ou Atlantide. Oui. Pour que Haïti disparaisse. Oui. Et ceci s'explique par la mécanique simple. Si je peux me déplacer, je vais vous montrer maintenant le système solaire, comment ça fonctionne. Ici là, nous voyons un système solaire. Dans le système solaire que nous avons ici, nous voyons bien que nous avons le soleil. Et ensuite, nous avons la planète, la première planète qui est le Mercure, la deuxième planète qui est le Vénus, la troisième planète qui est la Terre, la quatrième planète Mars, cinquième Vénus, etc., etc. Ces 9 planètes constituent le système solaire. Ce système solaire, nous devons dire, nous sommes situés là sur la Terre. La Terre tourne sur elle-même à 1600 km à l'heure, tourne autour du Soleil à 50 000 km à l'heure, et le Soleil tourne sur lui-même et autour d'un autre Soleil qu'on appelle Sirius, et ça met 800 000 ans. Maintenant, ce Soleil maintenant va tourner plusieurs systèmes solaires comme ça, 100 milliards de systèmes solaires vont former une galaxie. Et cette notre système solaire va tourner autour de la galaxie en mettant 250 millions d'années. Si en tournant autour de la galaxie, ça met 250 millions d'années, nous voyons bien, si nous divisons la galaxie en 4, chacun des bras de la galaxie, il mettra 65 millions d'années. À chaque fois que nous arrivons dans un couloir de 65 millions d'années, c'est à ce moment que nous allons avoir de grandes explosions de supernova, de grandes explosions d'étoiles, et ce sont ces étoiles, en explosant, vont envoyer du feu, et ce feu maintenant, en s'éloignant des étoiles, va se refroidir et transformer en pierre. Et deuxièmement, les pierres viennent d'ici. Si nous voyons ici, sur la carte, entre Mars et Jupiter, nous avons toute une ceinture d'astéroïdes, des petites pierres. Ce sont ces petites pierres aussi qui, de temps à autre, s'échappent de l'attraction universelle et viennent se heurter contre la planète Terre. Et aussi, nous avons d'autres ceintures d'astéroïdes au-delà de Pluton, qui est la dernière planète du système solaire. Et ces pierres également, sous forme de comètes, peuvent s'échapper du système et venir percuter la Terre. Effectivement, le docteur vous a dit que le Soleil tourne sur lui-même. Tourne autour du centre de la galaxie. Et ça met 250 millions d'années pour faire le tour de la galaxie. Mais en faisant le tour de la galaxie, nous avons ce qu'on appelle le plan galactique. Et le plan galactique, c'est là où se concentrent toutes les matières. Et c'est là que se créent tous les soleils. Maintenant, notre soleil à nous, qui forme notre système solaire avec les 9 planètes, se déplace autour du centre de cette galaxie comme une couleuvre. C'est pourquoi les Indiens qui habitaient Haïti et les autres îles telles Cuba, Porto Rico et Jamaïque, ces Indiens traduisaient ceci par Dambala, qu'on appelle le Dambala, ce qui se traduit en langage ancien, par la marche du soleil. Donc, notre soleil se déplace comme une couleuvre, et dans sa trajectoire de déplacement, ça rencontre le plan galactique. Et lorsque nous sommes dans le plan galactique, nous sommes dans la zone où il y a le plus de réactions violentes, parce que c'est là que se créent les soleils. Et étant donné qu'il y a les réactions violentes, il y a les concentrations de matière, par conséquent, il y a une augmentation de la gravitation. Et toute augmentation de la gravitation peut déranger, je vais me déplacer, si nous venons ici, comme vous l'a montré le docteur Mathurin, si nous venons ici, nous voyons que entre la Terre, entre Mars et Jupiter, il y a une ceinture d'astéroïdes. Il y a une ceinture de comètes et d'astéroïdes. Et en dehors, au-delà de Pluton, nous avons aussi une ceinture qui est formée de comètes et d'astéroïdes. Pourquoi je parle de comètes et d'astéroïdes? Ce sont des pierres, mais ce sont des pierres qui sont différentes de par leur dimension.
les pierres qui ont une dimension inférieure à 1 km, on les appelle des comètes. Les pierres qui ont une dimension supérieure à 1 km, on les appelle des astéroïdes. Maintenant, la création lorsque le soleil émet sur nous des jets de plasma, parce que le soleil tous les 12 ans émet sur nous des jets de plasma, et lorsque ces jets de plasma se déplaçant dans le temps et dans l'espace se refroidissent, ça, c'est ce qui nous donne les comètes à l'extérieur, et les astéroïdes viennent du profondeur du soleil. Ce sont des roches dures, alors que les comètes sont de glace. Donc, dans cette augmentation de champ gravifique ou de champ de gravitation, d'accord, il y a une tendance à changer la trajectoire de ces pierres qui sont entre Mars et Jupiter et qui sont après Pluton. Maintenant, lorsque cette tension gravitationnelle dévie ces pierres ont tendance à tomber sur les planètes qui sont dans le système. C'est ainsi que, en 1994, je crois, le 10 mai, le 10 mai 1994, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire sur la Terre, puisque nous avons pu voir une pierre tomber sur Jupiter. C'est la première fois dans l'histoire de notre civilisation qu'on a pu voir pareil phénomène. Donc, nous voyons bien que c'est un phénomène courant dans le système de la galaxie, mais ce n'est pas un phénomène courant pour nous, les habitants de la planète, parce que à cause du temps qui est très long de ces événements-là. Ce ne sont pas des événements courants, mais ce sont des événements qui peuvent avoir lieu dans le temps. D'accord. Maintenant, ça c'est pour notre système. Donc, notre système se trouve dans notre galaxie. Et nous avons particulièrement notre Soleil qui, lorsque nous regardons la galaxie, le cœur de la galaxie, c'est comme une soucoupe volante. C'est exactement la forme d'une soucoupe volante. Elle est aplatie aux extrémités, elle est renflée au milieu, et cette forme-là de soucoupe volante n'est formée que de soleil. Il n'y a que des soleils là-dedans. Et nous sommes à peu près au tiers du bras de la galaxie. Nous sommes à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie, et la galaxie... Madame n'a pas les français, moi-même n'a pas les créoles, pour tout peuple haïtien comprendre, ça m'a expliqué. Mais vous faites monter nous dans le document ça, mes documents, qui publient en juin 1994, avant même que l'armée américaine devienne en Haïti, quoi qu'on travaille pour une babaye menti nous-mêmes, en juin 1994, je publiais, il y a 65 millions d'années, mais une galette qui t'a frappé nous, et galette là, tout le monde a pris, dans un cadre de ça, ma bande temps pour lui, côté de frapper, c'est Colorado, Haïti, Caraïbes, Haïti Beloc, et puis Chiscouloub. Ça fait 65 millions d'années. Madame, nous expliquer la mécanique céleste là. Mais problème qui fait que toute communauté internationale est intéressée à peuple haïtien, et c'est raison ça qui fait moi aujourd'hui, je prends responsabilité moi, à deux mêmes, moi, qu'elle soit sacrifiée, je me dis nous ça qui passe. Mais ça, je publie encore. Je ne peux pas lire, n'a plus nous-mêmes. Et même ça qui vient frapper nous encore. Mais il est là. Tout le monde est là. Astéroïde, ça relève tout à tis. Là, il montre la lune, la terre, là est la lune. Pigoua, c'est la terre, puis Pidia, c'est la lune. Il passe dans la bouche nous chaque 4 ans. Et tout à tis, ça a été passé en 96. Il passe tout près nous. Il va le passer encore en 2000. C'est pour ça que c'est le 26 septembre de l'an 2000. Pour ne pas faire personne peur, je pas dit tout le monde c'est l'an 2000, je finis écrit. Mais je dis tout le monde c'est l'an 2004. Watch ça a pour le passé, soit la frappe et la terre, soit la frappe et la lune, soit la frappe entre la terre et la lune. Pour ceux qui ont diligence qui vous fait. Et qui diligence qui fait? Diligence qui fait là, il a publié le petit monde. Excusez-moi, ça veut dire que astéroïdes, ça, son roche, son astéroïde, il y a une possibilité en l'an 2000,
le 26 septembre plus précisément, pour ça frapper ou bien la Lune, ou bien la Terre, ou bien les deux. Un phénomène qui est comme ça, qui conséquence que la gagne. Conséquence que la gagne. Première conséquence là. Si il frappait par exemple la Lune, nous pensons que la Lune n'est pas intéressante pour nous, mais pas oublier que la Lune, premièrement, c'est un corps qui est extraterrestre, extra-système solaire, les papas qui sont dans le système solaire sont monde qui prennent en dehors du système solaire qui viennent mettre le côté lumière. Et qui voit la Lune en jouer, c'est lui créer des différences de phases pour nous, quatre phases. Ou bien alternance la Lune, ou bien alternance soleil, et pour gagner quatre phases. Pleine Lune, nouvelle Lune, dernier quartier, premier quartier. Donc ça fait quatre phases, c'est quatre phases qui déterminent la vie sur la Terre. Ou bien marée haute et marée basse. Si la Lune disparaît, niveau la mer plate, la mer séchée, pas grand pied bois qui a poussé. C'est pour les conséquences là. Et tandis que si l'astéroïde ça a frappé la Terre, là elle est tellement vite, vitesse c'est 200 000 km à l'heure. Ça veut dire 10 km à la seconde. Alors que la vitesse du son, c'est 300 mètres à la seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Il est même allé à 10 km à la seconde. Imaginons qu'il vitesse il va 200 000 km à l'heure. À vitesse à l'Elvini, s'il frappait la Terre, la frappe la Terre, go, la fonde, la fait fusion, et c'est la soirée iridium qui est là, qui nous apparaît. Et c'est iridium ça que tout le monde a cherché. Nous avons joué tout zirconium qui est là, qui nous apparaît sur la Lune, zirconium apparaît. Nous avons joué uranium spécial apparaît. Mais par contre, la fond nuage qui monte en l'air, et nuage à temps, comme si on a pété 1 million de bombes atomiques, la bouche soleil là pendant plusieurs millions d'années. Et comme nous pas pour le soleil, toute plante a mouru, toute pébo a mouru, et c'est ça qui a tué tout dinosaure. C'est ça qui est arrivé. Donc nous, ouais, c'est même ça qui pourrait arriver nous encore. Pour ça pas arriver nous encore, la communauté internationale prend deux mesures. Première mesure qu'il prend, c'est que il a poussé aérospatial là. Américains entrent en compétition à soviétique et qu'on y a entendu, il a maîtrisé l'espace. Deuxième disposition que il prend, si de côté où on a frappé, à savoir Denver, Colorado, Mexique, Francisco Loup et Haïti, il dit, il a vu étudier en toute profondeur pour ça comprendre qui s'est passé les roches la frappée pour éviter que roches la pas frappé nous encore. C'est dans ça qu'on voit toute communauté internationale là, en Haïti. Et dans le document ça, il te montre nous là. Les nalgades qui m'ont écrit, c'est Robert Rochia pour la France, T.E. Quag pour le Canada et Bierbo pour les États-Unis. Ils ont fait enquête là depuis 90, ils ont publié en 94. Tout le temps des peuples haïtiens, nous tendez les trois pays amis d'Haïti, c'est pas pareil politique. C'est bagaille paléontologique et de suivi de la planète. Et mais qui ça va le faire pour éviter sa fête. Ici, dans Science et Vie Junior, là, public Gali, station Alpha 2002. Mais nous avons retard. C'est l'an 2000 la fois après nous, maintenant pareil pour 2002. Et mais qui est station à fête. Tout le monde est en train de monter dans l'espace là. Il a déposé une fille qui était fait 6 mois. Il a déposé un garçon qui fait 4 mois. Américain, entendu à Soviétique. Yo. Soviétique était mis en première station que les Mir. Les trois petits l'a crasé dans 6 mois. Donc en attendant, Américain a préparé une plateforme ça. Et en dedans là, côté nous carré bien, les font coupe, ils montent au moun yandala, sous mon zoom, pour partir ça, ou moun la donne. C'est là, il y a besoin de monter là, pour mettre 6 savants campés là, pour les roches là venir, pour nous craser avec mon rayon laser. Mais problème communauté internationale là, que je dis personnellement, que Canadiens, Américains viennent là, même côté la télévision d'État, je dis, il n'y a pas fait plateforme non. Mais il n'y a pas de connaissance pour faire rayon laser là. Parce que nous connaissons que le laser se fait à partir du rubis. Et rubis a son cristal, son pierre de feu, que même Jean-Pierre de Feu t'a parlé maintenant, que mauvaise manipulation pierre de feu ça, Berlis dit, c'est lui qui fait attention de craser, et c'est pierre de feu ça qui crée le laser là. D'où, communauté internationale, dîme personnellement, la NASA, dîme personnellement, département de vie, dîme personnellement, tout autant pas entré dans l'ancienne écriture, civilisation ça, il n'y a pas en mesure de joindre laser pour craser roche là. Et si vous pas craser roche là, il y a 90% d'extinction biologique. Ça veut dire tout bête, tout le monde, tout le pays va mourir et n'a pas paraître encore dans 65 millions d'années. Pour qui ça? Alors, je dis, peuple haïtien, posez son. Et peut-être ça me toujours dit nous, depuis 79, nous grands, nous t'es grands et nous sommes toujours grands. Parce que nous avons un domaine là qu'il nous, c'est nous un peuple qui est plus ancien là qu'il nous, et c'est nous une connaissance que tout le monde a besoin. On met où nous pas un corps, on met où nous passer nos bêtises, mais c'est nous besoin. C'est nous pour mettre nous ensemble. Ce n'est pas l'unité pour nous faire encore, non. C'est la fusion pour nous faire. Oh, pour qui ça? Pour qui ça nous capable bon extinction biologique? C'est parce que ils ont fait toute étude et ils ont vu que si tu as gagné un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère, nous, qui gagne au moins 1 km de diamètre, li capable équivalent à 100 000 bombes d'Hiroshima. D'accord? 100 000 bombes d'Hiroshima.
Maintenant, au-delà de 1 km, c'est grande catastrophe. Ça veut dire que la Terre, elle doit changer de physique, de structure physique. Ça veut dire côté qui a une montagne, capable bien plaine, capable bien lac, et côté qui a un lac, côté qui a la mer, capable bien montagne. Donc ça veut dire que tectonique des plaques, elle est capable de changer. Or, astéroïde ça, que le docteur en parlait nous, il est tout à Tis. Et c'est en 94, je viens de rendre compte que ce n'est pas un grain roche, mais c'est deux roches qui ont viré autour d'un centre commun. Il n'y a pas qu'on ait qui diamètre qui, et qui écart entre deux roches. Il n'y a pas qu'on ait. Mais il y a qu'on ait dimension. Il y a qu'on ait une qui a 2,5 km et l'autre qui a gagné 4,5 km. Or, si gagne yon roche qui a 4,5 km qui rentre dans l'atmosphère terrestre là, là-bas nous 400,000 bombes d'Hiroshima. Là-bas 400,000 bombes, là-bas près d'un million de bombes d'Hiroshima. Donc qui équivaut à extinction de 90% population sous planète là. Et qui marge d'erreur et prévision ça yo? Je décide de répondre. Marge d'erreur, il est nul parce qu'il est très grave. Parce que j'en montre là, m'a retourner avec document encore là pour montrer où, excusez-moi. Pour public à ça bien comprendre, bah, je vais expliquer là. Les montrer nous roche là comme ça, sous cas focus sur moi. Ouais, roche là comme ça là, mais là venir sous planète là. Bon angle d'inclinaison pour le gain. Angle d'inclinaison, hein, c'est un qui veut faire ça comme ça. Parce qu'on est déjà viré. Plus angle d'inclinaison en grand, plus il y a plus de chance pas frapper ou. On a angle d'inclinaison en nul. Il presque confond avec nous. Donc chaque fois, chaque fois qu'il va frapper nous, son petit vent qui pousse, il va frapper nous. Et ceci, depuis tantôt 50 ans. La passe dans le bouchon chaque 4 ans, mais pas de appareil pour nous détecter. Pas de match d'erreur. Nous avons super assurance et nous avons la panique. Si vrai que aux États-Unis, actuellement, nous avons une commission du Congrès américain qui est là pour faire évaluation de quantité d'astéroïdes qui passent dans le ciel là. Et où il est le SGS. SGS signifie Space Guard Survey. Tout grand astronome la donne. Président Clinton, avant de monter président des États-Unis, il te dit comme ça que affaire astéroïde c'est jouet. Mais les monsieur rivé sous table dans le bureau ovale de la Maison Blanche, les mettre document devant lui, George Bush, te mettait 100 milliards, monsieur mettait 3000 milliards, tellement le problème dans grave. Et qu'on y a actuellement, c'est ce coup, monsieur a demandé tout le monde, parce que c'est les États-Unis qui gagnent le leadership mondial là dans Meni, et si extinction biologique en vini, c'est les États-Unis qui a payé toutes conséquences là. Et succès, succès, il me dit doucement. Succès, mission ça, dépend uniquement de la vérité qu'on aura trouvée en Haïti. Ouais, que Haïti, t'es toujours le centre de quelque chose. On va nous remonter dans l'histoire. Dans la période et Arawak, avant déluge, pré-colombien. Il a toujours dit, t'es gagné, Atlantide, t'es existé. Mais Atlantide, t'es une capitale. D'accord? Et nous, ouais, que moun sa yo qui était habité dans Atlantide là, yo te dominé toute planète là. L'homme dit dominé, ça veut dire que yo te allé, yo te contrôlé planète là. Yo te gagné une province, gagné une Ignatius Donnelly qui parlait des 10 provinces des Atlantes. Et nous voyons que les 10 provinces des Atlantes, c'est autour de l'Atlantique que l'y fait. D'accord? Donc nous, ouais, et yo dit nous, dans toute écriture, ça yo que nous lions, yo dit nous que Haïti était le centre culturel de cette Atlantide. Ou encore, Haïti était la capitale de cette Atlantide. Et c'est là que les savants qui, de l'Atlantide venaient méditer et travailler. Donc, pensez, Kounia, que Haïti n'est pas même gens que le théâtre avant. Mais Haïti a tout rôle pour lui jouer dans ça qui pourra le passer dans, sous la face du monde, Kounière. Dans ça qui pourra le passer, jouer que les hommes pourra jouer sous la terre dans la période ça, Haïti pourra avoir un grand rôle pour jouer la donne. Et nous-mêmes, peuple haïtien, qui Kounière, presque pas semblé en rien, parce que le peu de ça qui était nous, d'accord, le peu de ça qui était nous, c'est ta relation, bonne relation, entre les individus en Haïti, entre les Haïtiens qui pourtant faire paraître, mais étant donné que nous pas entendre nous, on n'y est pas qu'à paraître. Donc moi, je pense que c'est pour Haïtiens entendre d'abord, et une fois que vous entendez, tout ça
tout rôle que Haïtien fait pour le jouer et que Haïti fait pour le jouer dans l'histoire du monde là, l'a vini sans que nous-mêmes nous pas vraiment chercher. Je voudrais ajouter quelque chose. Sur cette photo-là, dans le document de Berlitz, on nous montre ici la crête médio-atlantique. Et d'après les documents paléontologiques et archéologiques, le niveau de la mer était tellement bas que ces plateaux continentaux émergeaient au-dessus de l'eau. C'est là que se trouvaient deux Atlantides. La plus grande Atlantide existait ici. Mais d'après un grand spécialiste qu'on a mentionné dans à la page 133, qu'on appelle Lewis Spence, voilà ce que nous dit ici, ce paragraphe, si on peut le focus pour moi, ce paragraphe ici, d'après Lewis Spence, il y a eu deux Atlantides. Bon, premier Atlantide, ça me dit Monténoua, c'est plateau continental là, qui vient couler en bas de l'eau. Et bon, deuxième Atlantide, c'est au voisinage de Antilia que lié. Antilia et de Savage. C'est ça, Lewis Spence, le plus grand mythologue, le plus grand spécialiste de la mythologie écossaise, dit, donc, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui pas disparaître. Mais là, monsieur dit Antilia, nous prenons la page 86 dans le même document, pour nous voir qui ça, monsieur, il est Antilia. À la page 86, voilà, il donne référence à une carte, dite carte de Benin Kassa. Sous cas focus carte là bien pour moi et permettre auditeur li et téléspectateur li ça qui écrit là. Il bien dit ou que deuxième Atlantide là, si ici à là où est c'est la péninsule ibérique, c'est l'Espagne, tout ça c'est l'océan Atlantique et monsieur te montre en bas bateau il y a trois îles. Trois îles en réalité, ils représentent Antilia, Savage et l'autre non mais on mettait à l'envers parce que si nous venons même sur livre ça où t'as font petit focus pour moi ou après ils mettaient Haïti dans place Cuba. Gardez pour eux. Et sont faits exprès. C'est pour pas qu'on ait qui bon secret de l'Atlantide la terre, parce que l'Atlantide là, la, t'es gagné les secrets de la transmutation et de la fusion nucléaire froide. C'est Lewis Spence qui annonce nous que c'est particulièrement dans une trois îles sa yo que nous t'es gagné, île qui est l'Atlantide là, la, côté tout prêt tout est, tout savant tout est, et toute connaissance en terre réunie, mais lui-même n'est pas détruit. Et Mounzata le caché de côté, et c'est eux-mêmes, les Christophe Colomb, Tevin Boy ici, nous joignons les Taino, ils ont groupé sous le nom de Arawak. Et Arawak là, ils ont divisé en plusieurs groupes. Ils ont gagné les Sub-Taino. Sub-Taino, ils ont joignons Jamaïque et dans le nord est de Cuba. Ensuite, ils ont gagné les Lucario. Les Lucario, ils ont joignons Bahamas. Ensuite, ils ont gagné les Guayos. Les Guayos, ou te venu dans la zone et Saint-Domingue. Ensuite, ou te gagne les vrais Taino, qui dit même tout le monde intéressé, ou te venu à l'est de Cuba et la partie occidentale d'Hispaniola qui est Haïti. Et ensuite, tu venu au Porto Rico. De là, nous allons comprendre que, étant donné que c'est Taino qui te gagne toute connaissance très ancienne, non, peuple haïtien pas toujours manqué, toute communauté internationale là, depuis Christophe Colomb, toujours bataille pour la partie occidentale de l'île, mais jamais la partie orientale. Tout mon bataille, c'est pour bon côté Haïti, mais pas jamais bataille pour prendre la République Dominicaine. Mais nous constatons que Taino est en Haïti, mais pas en République Dominicaine. Côté audit en République Dominicaine, non, c'est frontière qui est mal limitée, mais c'est toujours en Haïti. Ensuite, nous voyons que Taino est tout, il est ici au Porto Rico. Nous comptons Porto Rico, pas pour Porto Ricain encore. Et une taille de tout, tu es situé dans l'est, la pointe est de Cuba. Et une pointe est de Cuba, pas pour Cuba et tout, nous ne pourrions pas lier. Donc tout le monde comprend très bien que c'est dans mes tailles de ce créatéillé. Tout à l'heure, m'a montré d'autres documents, va les fouilles archéologiques qui vont tout à l'heure et va les bagailles qui dessous. N'a pas tout à l'heure pour interpréter l'écriture, pour nous connaître qui ça, le tapché dans l'écriture. Est-ce que c'est minerai iridium dans le besoin volé? Est-ce que c'est uranium spécial nous gagnons le besoin volé? Ou bien est-ce que c'est zirconium nous gagnons besoin volé? Parce que des documents très sérieux, publiés par ce bonhomme de la NASA, qui nous dit bien, à cette page 31, on va faire le zoom, qu'on gagne titanium, qu'on gagne iridium, qu'on gagne zirconium, tout pierre ça yo, c'est sous la lune, c'est dans l'espace yo sorti, et on sert avec yo pour faire capsule spatiale, pour faire Apollo, pour faire navette spatiale. Mais pour qui ça, il y a besoin d'iridium noir. Mais pas pour ça, il y a besoin. Ce n'est pas pour ça, il y a besoin d'Haïti. Ce n'est pas pour ça, il y a besoin de Porto Rico. Ce n'est pas pour ça, il y a besoin de Cuba. C'est pour la connaissance inscrite dans nos écritures et ces connaissances qui permettent d'avoir une plus grande puissance énergétique dans les qui dépasse la bombe nucléaire, qui n'est autre que la fusion nucléaire ou encore les chances. Puisque la communauté internationale a dit, pour un pays développé, pour accepter comme nation, il faut qu'il fasse recherche fondamentale. Il faut qu'il avance en science et en technologie.
Et alors que, comme l'État d'Haïti pas fait recherche fondamentale là, mais un groupe d'Haïtiens privés avec nous-mêmes, nous fait recherche fondamentale là au nom de l'État d'Haïti et nous bâillons défi pour dire nous pas nation, parce que secret science fondamentale là, c'est la caille non liée. Secret fusion nucléaire, c'est la caille non liée. Secret laser là, c'est la caille non liée. Secret ADN, c'est la caille non liée. À bon entendeur, salut. Avec tout ce que dit là, ça fait me penser à un bagage, c'est que nous croyons que nous arrivons en phase avec toute réalité sur Dia gagner la donne pour nous re-questionner l'histoire. Est-ce que la civilisation vient vraiment de l'Afrique ou bien de cette Atlantide dont on parle, donc d'Haïti? Bon, vous rejoignez parfaitement bien Maurice Châtelain, ce technicien de la NASA qui a écrit cet ouvrage Le Temps et l'Espace. De même, ce fameux chercheur que vous avez cité tout à l'heure, Zekaria Zichin, vous connaissez le nom mieux que moi, ils sont tous deux d'accord que la capitale du savoir de la planète, qui fait que nous venons retourner en forme de gouvernement mondial, qu'on y a là. Tout le monde a parlé d'un gouvernement mondial, tout le monde a parlé de globalisation, mais son bagage qui existait avant le déluge est capitale civilisation qui dénominait toute planète là, la calomnie. Et nous voyons que, yo tout, il y a tendance, Vinchita Haïti, le mot a parlé de globalisation. Mais Maurice Châtelain a plus loin que Jean-Marie Plantin. Il dit que civilisation qui est venue là, Kainouan, qui était très avancée que civilisation ça, n'est pas sorti d'Haïti, il est extra-planétaire. Il est sorti dans l'autre planète, dans notre système solaire. Donc, son bail qui doit oser, pour peuple haïtien mal montant l'air avec lui, n'a pris ta tête, nous allons chercher dans civilisation disparaître là. Qui écoute le dégain et ça écoute le dit. Peut-être dans l'autre émission, Jean-Marie Blal trop loin, il est trop pressé, il compte trop bagaille déjà. Donc, n'a pas tant de peut-être dans la deuxième émission, n'a approché aspect extraterrestre là, parce que nous pas t'en aimer faire ni le pape, ni le Vatican, ni Washington fâché avec nous, parce qu'en pile vérité, il n'a pas voulu dire sur affaire extraterrestre là. Mais un jour, m'a dit peuple haïtien, pour qui ça, il n'a pas voulu dire ça que n'a ouvni. Parce que dans pile document que écrit sur les ovnis, et chaque document qui sur les ovnis, nous je connais les pages par cœur, nous allons à la page 177, nous voyons bien qu'on cite bien d'Haïti. Et que bagaille nous connaît, nous dit c'est diable qui a volé en l'air, même blanc li, même avec satellite li, là, il a détecté qu'on a pile bagaille qui a passé en Haïti. Donc pile bagaille qu'on connaît. Donc domaine extraterrestre, nous pas montré là dans Jodia, mais nous a dit que écrit une civilisation ça passe au-dessous la terre, parce que ça y connaît un. Yo connaît un élément unitaire de pour comprendre ni, de permettre de comprendre tout l'univers. Et qui est-ce qu'on l'univers? Personne ne va contre l'univers. Mais quand il y a une civilisation fait font satellite, qui est le satellite de Humble, et satellite de Humble a une mémoire qui permet à plusieurs années-lumière dans l'espace, et ouais, nous pas qu'à voyager dans l'espace là. Ce sont l'autre chemin pour nous passer. Et chemin pour nous passer, il y a arrière-grand-père moi, arrière-grand-père Pau, arrière-grand-père même petit Joseph qui n'a cité soleil là, qui était contre qui Jean pour te voyager à travers les étoiles, alors que. Américains qui est la première puissance du monde, leur volonté Apollo à la à sous la Lune, ils prennent 14 jours. Pas besoin de aussi pour sauter dans le système solaire là, il prend 6 ans. Alors que Ariel Grand-Père, tu fais tout le système à te voyager, ce n'est pas nos deal, c'est étranger à deal. Et lui-même qui te trace. Et lui-même qui te trace. Il y a une trace sous la Lune, il y a une trace sous Mars. Et il y a une trace dans les Caraïbes, en Égypte, en Afrique et tout côté. À savoir. Sous tout 19e parallèle la mer. Toute pyramide nous est construite. Toute pierre levée nous a construit, toutes ces grands pères nous ont construit. Nous avons une preuve côté tout Égyptien qui a dit qu'il était fort, tout Ramsès, tout dit que c'est la Kainou que patron a été et c'est patron qui a habité la Kainou qui a montré toute technologie ça. Et docteur Mathurin, si Atlantide là, c'est au large d'Haïti que le dé, ça veut dire que en ballant mais pays d'Haïti, il y a une pile richesse. Non seulement il y a des richesses paléontologiques, mais il y a des richesses archéologiques et financières. Richesses paléontologiques nous gagnons, c'est qu'effectivement, nous te connaissons côté côte saute Port-au-Prince ou à la Gonavapie. Gloire vient de monter. Donc quoi d'étonnant que vous avez un paquet de bagailles qui emballent en bas la Gonave. Mais, pas oublier, les Christophe Colomb vient en 1492, tu as une affaire de flibustier boucanier, nègre tapral dans toute Amérique centrale là, puis elle prend l'eau. Et puis, zone Haïti, à cause de forme Haïti en nuit, c'est là où on vient cacher. C'est comme ça, nous avons un paquet de bateaux espagnols dans la bataille pour l'or que nous avons pillé, car tout indien, ils ont coulé au large de Haïti. C'est comme ça, dans la baie de Port-au-Prince, ma pauvre carte là, montre-nous. Tu tiens la carte avec moi.
C'est comme ça, nous faisons tout relever à sous quatre là. Nous avons, ouais, dans la baie de Port-au-Prince, au moins nous avons 100 galions. Dans la baie de Jérémy, nous avons au moins 20 galions. Dans la baie là, de Port-de-Paix, nous prenons combien de galions nous avons? Dans la baie du Cap-Haïtien, nous avons 30 galions. Donc, autour de la vache, nous avons toute la flotte de Morgan. Quand il y a là, nous avons monté, peuple haïtien, un document officiel de l'ISPAN, côté Yoteba nous, 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement, sur 100 qui n'ont pas de Port-au-Prince. Et 6 milliards de dollars là, c'était pour l'or et argent que ce bateau a, pierre précieux et cristaux pas te la donne. Pierre précieux et cristaux pas te la donne. Les documents officiels là. Je vais passer lentement, page par page. Page par page. Je vais faire écoute 6 millions. Page par page. Je vais passer tout le monde parce que les documents officiels, yo ye, télévision d'État, les télévisions américaines viennent devant, je vais montrer moi-même. Et je vais louer tout graphe qui fait pour montrer côté bateau situé en bas de mer. Mais tout plein qui fait. Pour 3 bateaux seulement, il y a 6 milliards de dollars. Ça, c'est fin document et dernier document. En plus de 3 bateaux, ça, yo, qui en ballon d'Haïti, mais nous, on a un film qui paraît en 1900, même période 89, il était venu dire que patrimoine, site des Ramiers, citadelle et sans souci, fait patrimoine mondial, mais une compagnie américaine était venu proposer au gouvernement haïtien pour Bali, très exactement, je montre la somme, pour les 10 premières années, 13 533 millions de dollars pour les 10 premières années pour l'île de la Tortue. Et pour être fait de l'île de la Tortue, une nation souveraine. Conférence épiscopale, met dossier à dehors, peuple prend la rue, ça pas fait. De là, nous poser nos questions, que c'est pas jouer, monsieur, au table jouer, pour Bali, 13 500 millions de dollars pour la Tortue et mes documents en bas là dans paragraphe ça côté ben 6 billions ce qui fait 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement m'a ban temps pour lire dans premier document donc si 3 bateaux yo ban 6 milliards pour 100 bateaux c'est combien fois dans 3 ou 100 ou multiplier par 30 au moins ou 33 mes amis fait 33 multiplier par 6 non pour nous, 6 fois 3, 18, 6 fois 3, 18, ça va nous 198 milliards de dollars au minimum que nous avons gagné pour 100 bateaux dans la baie de Port-au-Prince. Qui coulait qui est en bas en mer. Qui coulait en bas en mer. Mais nous avons pile l'allusion sur eux. Technologie pour nous prendre, c'est Américain Guéni, Brett Robert Jr., qui était fait déjà pour la guerre. Quand il a pris un bateau pour la guerre, et bateau ça, monsieur, pour le film dans Haïti, dans l'Hispan, il montait comment le faire pour le prendre. Et bateau ça a été rapporté par la guerre 200 millions de dollars. Et c'est 200 millions de dollars ça yo, que le gouvernement dominicain prend, il mettait la Kaili qui fait stabiliser les pesos là et développer un paquet de bagailles. Et contrairement à là, il a demandé nous, il s'agit simplement que nous avons volonté politique, que l'exécutif, le législatif et nous-mêmes peuple là et classe intellectuelle là, nous entendons bien avec l'exécutif non. Et puis tout va marcher douce, peuple haïtien pas souffrir encore. Ensuite, nous connaissons M. Berlitz, écrit dans le livre li, depuis 69. Que vous nous-mêmes haïtiens prenez des mesures et des dispositions parce qu'il y a des blancs qui viennent dans un petit bateau dans la nuit qui descendent en bas de l'eau qui volent fortune noire. Alors, sous vol là, je prends responsabilité de ça que j'ai témoignage pour me dire. Mais l'autre, ça m'a dit, mon abdi, je ne vais pas répéter. Mais ça m'a dit, document en même. Et que j'ai témoin de lui, je dis devant les haïtiens parce que je pense que nous arrivons dans le stade aujourd'hui, côté chaque intellectuel fait pour prendre responsabilité. Et responsabilité de la savoir, pas venir pas mentir. Pas dénigrer moun, mais dit peuple haïtien vérité li, de façon pour nous stimuler l'amour de la patrie. Et c'est comme ça, nous avons un miracle que plusieurs organisations politiques et en majorité peuple attendent.